Djerba, ça vaut le coup d'une part par le climat, par le temps, les senteurs, la gentillesse des habitants. Il y a tout ce qu'il faut pour la distraction des enfants, il y a les plages, enfin vous avez les promenades à chameaux, promenades en mer, promenades dans les airs. Enfin, il y a tout ce qu'il faut, les plages sont magnifiques. Oum Souk, la capitale de Djerba. Il y a les souks, il y a les marchés très colorés. Vous avez une marina qui est assez jolie, qui est très belle. Vous avez la deuxième ville qui est Midoun, donc beaucoup plus petite, mais enfin plus familiale. Tout est très bien. À Djerba, il y a le choix pour toutes les bourses, même pour les moins aisés. On arrive à avoir des endroits qu'ici on ne pourrait pas s'offrir. Les plages, les odeurs le soir, lorsque tombe la nuit, lorsqu'arrivent les galantes de nuit, c'est merveilleux, ça vous transporte. On a l'impression d'être au temps d'Ulysse, quoi. J'aime bien l'île aux Flamands, c'est une promenade qu'on fait avec des vieux bateaux corsaires. On y va, on y passe la journée en famille et on mange sur place. Les Tunisiens nous font le repas, enfin avec musique traditionnelle, tout ce qu'il faut, quoi.